Aïe! Putain, le truc. Ouais, ce sera terminé. Aïe, 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 aïe. Ouais, deux secondes. Ouais, c'est chaud, mais j'étais en train de parler depuis ta bagnole, en fait, ça se trouve. Et les gars, ça vous dit, juste avant d'aller le voir, on va essayer de se mettre au défi de voir ce qui se passe si on va à l'autre bout de l'océan. Ouais, comme ça, c'est fait. Puis après, on le rend visite. Alors, le concessionnaire, ça va être... Ça, de souvenir, c'est pas vers là, non? C'est où? Ah non, c'est là. Ah, bon, on va le faire. Et après, on fera l'autre truc. On va le poursuivre avec sa propre bagnole, le truc de fou. Comme ça. La prochaine fois, on fera mon truc. On terminera limite par ça. Là. Y'a quoi comme bagnole? Je suis tellement de fric. Ah, la fer de lance. Mais je l'ai déjà dans mon truc. Celle-là, faut que je vous la pilote, je l'ai dans mon garage. J'irai la chercher au prochain truc. Parce qu'elle est trop classe, la fer de lance. La justice, je l'aime bien, la justice. La socialité est pas mal aussi, hein, dans le truc. La Nelson, elle reviendra en plus. C'est à la fer de lance, dommage qu'elle revienne pas, parce qu'elle était trop classe. Et en plus, fer de lance en français. Cocorico, colocoquico, coquico. La Vortex Club. Allez, vas-y. L'émission s'enchaîne rapidement, hein, les West Side. Oh. Oui. Ah ouais. Ah, carrément, il met les moyens, Michel. Hein. Ça va pas bien, Michel. D'accord. D'accord, Michel, hein, Bernard. Hein. Bon, ben c'est l'heure de refaire péter notre véhicule. D'accord, il est passé par là l'autre coup. Alors, attends. On va essayer de s'en sortir. C'est vraiment plus pratique si on avait Julius avec nous. Hein. Ah putain, heureusement qu'on a une bagnole de sport rapide. Hein. Ok, à chaque fois on se prend un truc en plus, je vais se regarder assez rapidement. Alors, et ça c'est un véhicule assez particulier, je sais plus, je crois qu'on le... Il marque qu'on le débloque, j'espère, hein, parce que le véhicule que conduit, vous aurez remarqué que c'est pas le camion habituel qu'on a habitué d'avoir. Hein. C'est... Il s'appelle le Goliath, globalement. Ah putain. Ouais, ça, il s'appelle le Goliath, son camion, là, qu'il porte. Par contre, il y a déjà ton truc qui flambe, c'est normal. Tu vas péter, mec. Ah putain, ce combat. Oh, dear you. That tin can won't protect you for long. T'appelles ça le taxi? Ok, je détruis le taxi, c'est que tu le dis. Eh bah putain, le taxi, ça a changé. Hein. Quoi? Ah, bah voilà, regardez, c'est la magie du montage. Ah et putain, j'ai pas fait le truc avec Lynn. Bon, il faudra que je le fasse pour voir la suite. That was a hell of an explosion. You okay, Blair? I got ran over by a motherfucking truck. What do you think? Oh, quit being a bitch. We didn't fuck the rollers hard. They ain't got nothing left. There are a few loose ends, though. Like, who the fuck those buyers are Sharp was talking about? I got a feeling some shit going on we don't know. Vous pensez que c'est qui les acheteurs? C'est l'un des gangs du 2?
Que ce soit les Ronin, les... bon, pas les Son of Samdies. Vous pensez que c'est la Brotherhood? Ou vous pensez que c'est ceux du 3? Ah, la propriété de char, accessible, la moto de bus. Cible, moi, ça, vous en pensez quoi?